Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventure Mode toujours prêt qui vous présente un tout nouvel épisode de notre aventure sur les tous Zodiac et la guerre du monde. La dernière fois les amis, bah il s'est passé tellement de choses à la vidéo précédente et Loi qui s'était occupé d'Anthony sur le monde génération pendant 2 ans vient de nous trahir. Mais en fait ce n'est pas quelque chose qu'on appellerait de trahison, c'est simplement quelque chose de protection. On a qu'apparemment Kaido était le petit frère du magicien X, que le magicien X en fait n'était véritablement pas notre ennemi, car il cherchait quelqu'un, sa petite amie qui s'appelle Amina, mais qui n'a toujours pas été retrouvée. On sait juste apparemment que c'est droit au rouge qui l'a capturé et que dans l'ensemble que sa guerre a été déclenchée par nos héros. Bref les amis, direction la ville de Coliseum pour aller délivrer les autres. Voilà, on s'en était arrêté là. Voilà. Bon, ça sert plus à rien que je garde les biscuits, ça ne sert plus à grand chose. L'orbe magique, je me suis toujours pas servi, mais bon, je vais le garder. La lance sacrée, on pourrait la garder, elle pourrait me servir. Talisman de lumière. Ok. Équipement. Voilà. Et voilà. Merci pour vos achats, au revoir. Au revoir, à bientôt. Je ne parle pas. C'est un magasin d'accessoires ici. Bonjour, ici vous trouvez des accessoires super pour votre voyage. Allez, ici regardez mes articles à vendre. Ouais, mais c'est toujours aussi cher. Bye les amis. Bye. Oui, c'est normal que je refasse ces boutiques parce que parfois j'oublie quelques trucs. Bon, vas-y, au revoir à tout le monde avant de partir. Bonjour. Bonjour. Il n'est plus fâché. Comme avait dit Alexandre, il allait remettre un peu tout en ordre dans les états comme avant, Eloi. Eh bien, je vois qu'il a tenu sa promesse. Bref, c'est le sud qu'il faut aller pour aller voir la ville de Coliseum. Nous y sommes, la ville de Coliseum. Oh bonjour étranger, puis-je voir votre passe d'entrée s'il vous plaît? Un passe d'entrée? Quoi? Il faut un passe d'entrée pour entrer ici? Bah oui, on ne laisse pas n'importe qui entrer ici, et ce depuis des années. Le problème c'est qu'on n'en a pas, où on peut s'en procurer? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vendeur ici pour ce genre de requête. Donc à vous d'en trouver par vous-même. Oh, mais on n'a pas de temps à perdre, c'est ça le problème. Ah, comme si on n'avait que ça à faire, on fait quoi? Fouille. Faisons une fouille ici pour le moment. Si on ne trouve rien, il va falloir rentrer discrètement ailleurs. Entrer discrètement ailleurs? On risque pas de se faire remarquer quand même. Le groupe entame ses recherches pour trouver des passes d'entrée. Eh bien, espérons qu'on ait de la chance. Oh, regardez ce que j'ai trouvé, tout le monde. Ce sont des cartes de paiement. Vous croyez que c'est ça, les passes dont nous a parlé ce garçon à l'instant? On n'aura qu'à lui montrer pour voir. Mais bon, Rose, t'en as combien? J'ai 5 cartes. Eh, mais c'est le nombre parfait, vu qu'on est 5 dans le groupe. Vite, montre ces cartes à ce garçon et voir si ce sont bien les passes d'entrée qu'il veut. Eh ben, espérons que la chance sera avec nous. Nous revoilà. Est-ce que ce sont ces passes d'entrée que tu voudrais voir? Incroyable! Oui, on est fait ce sens-là. Vous êtes très impressionné, ça va trouver vite. Mais enfin, ça n'a pas d'importance, vous pouvez entrer. Merci. Je me demande si ce serait pas Eloi qui a mis ça exprès pour nous ici. Ah,
Je n'aime pas moucher en pleine vidéo. Vous pouvez accéder aux boutiques, l'auberge à salle d'entraînement, la prison. Vous pouvez également aller voir les combats au colis. Ici, on a des champions incroyables, croyez-nous. Bienvenue, cher visiteur. Merci. Je suppose que c'est par là, la reine. Oh oui, bien sûr, vous pouvez aller ici, mais interdiction de libérer la reine, compris? Ok. Ah, on n'a pas le droit d'aller vers la reine. Oh, on dirait qu'il n'y a personne ici. Là non plus. On a été prévu qu'on n'a pas le droit d'aller vers la reine. Évitons le pire. D'accord. Donc là, c'est les deux chemins, c'est pour aller vers la reine. Ok. Bon bah on peut pas passer, on peut pas aller plus loin que ça. Bon, au moins on voit un petit peu l'entrée. C'est déjà pas trop mal. Bien, on continue la visite. Bonjour étranger. Bonjour. Ah génial, on va pouvoir refaire un stock. Bon, maintenant je vais en prendre un petit peu plus. Et voilà. Ah, merci. Ils sont endormis. Étranger, soyez bienvenue à ma boutique. Merci. Ok. J'espère vous voir très bien, toi étranger. Au revoir. Au revoir. Hé hé, salut étranger. Salut. Ah, je peux quasiment rien acheter avec le sou. Oui, à plus tard. À plus tard. Auberge de Coliseum. Ah, auberge. 338. Mais c'est pas mal, j'ai pas besoin d'être chargé. Bon, la deuxième indication qu'Eloi nous a dit, c'est d'aller vers la prison. Parce que c'est là où est-ce qu'ils sont, en fait, nos amis. Ces vieilles maisons sont vraiment cassées. En tout cas, il n'y a pas de fumée qui se dégage, donc ça veut dire qu'il n'y a personne. Prison des combattants de Coliseum. C'est là. Allez, on rentre. Voilà la prison dont Edouard nous a parlé et nous a mis sûrement ici. On a envie de prendre de la nouvelle et essayer de les libérer. Un instant, je vous prie, étranger. Quelle est le motif de votre venue? C'est pour une visite. Vous me paraissez jeune. Désolé, mais les visites ne sont qu'autorisées que pour les majeurs. Oh, encore un problème maintenant. C'est l'âge. Est-ce que qui a 18 ans ou plus ici? Pas besoin de demander à ce que ceux de Alexandre est plus âgé d'entre nous, je pense. Inutile de demander à tout le groupe, Anthony. Vous savez bien que ce... moi est adulte. En effet. Excusez-moi, mais dans notre groupe, on a une personne plus âgée que nous. Vous laissez entrer et nous restera là en attendant son retour. Qui se met devant moi pour voir? Ok. Alors, on va mettre Alexandre devant. Très bien, il peut passer, mais que lui, compris? Oui, oui, on a compris. Je dois présent trouver les cellules des prisonniers. Oui. Mais avant, faisons une petite visite de la prison. Bonjour. Vous avez encore le temps pour la visite, étranger. Passez une bonne journée. Merci. Elle est bien aimable, cette dame. Bien, bonjour étranger, désolé mais je ne peux pas trop discuter avec vous, mais restez prudent ici, on ne sait jamais. Ah, il est vraiment blessé, hein. Ça doit être un prisonnier mais qui a dû sûrement désobéir. Et il regarde. Il est couvert de blessures. Malheureusement, on ne peut rien faire.
Si on essaie de soigner, on risque probablement de se faire remarquer. Oh, docteur Machika, vous êtes en vie après ce temps. Oh, il y a Pierre. Pas que moi, Pierre, il y a aussi Anthony qui a parmi... Yo et Rose, on est venu vous libérer. Et après, c'est que moi, vous n'occupez depuis tout ce temps. Mais docteur, vous savez qui... Ici, si on veut notre liberté, il y a une condition. Ah ouais, quelle condition? Je me demande c'est qui, là. Laquelle, Achille? Oh, c'est Achille. Nous devons combattre nous. Nous devons combattre nous-mêmes. Les tous soutiens sont le prix ultime de notre liberté. Sans blague! Se combattre entre vous-même! Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je refuse qu'on essaie... qu'on fait ça, de faire ça. Après tout, on est comme une... famille. Oh. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen pour libérer à part ça. Le seul autre moyen est de m'en soustraire par... Enfin, que les prisonniers y battent. Mais il y a pas mal de gens qui ont amené des monstres rares. Ils sont, mais à chaque fois qu'on les... Mais à chaque fois, on les battait trop facilement. Et comme on les battait facilement, notre mise en liberté a été repoussée à chaque fois. Je suppose que cette fille, c'était... Hein. Bon sang, et si on se met nous aussi à la recherche de monstres très rares, je trouve qu'on n'est suffisamment pas assez pour tout le monde. Dans ce cas, il ne reste qu'une solution. Ah ouais, mon roi, c'est quoi le problème? C'est quoi la solution, en fait? Oh non, pas le combat mort entre nous quand même, mon roi. Mais non, Théa, je pars du centre d'entraînement de la ville. Là-bas, il y a une guilde, et d'après ce que j'entends, tu gardes des monstres très forts et rares là-bas. Ah non, c'est un état. Il s'agit d'une guilde, si on veut, c'est mon prochain... Car de... Oui, il faut la payer. Non, pas si ce sont pour les combats du Colisée, en tout cas. Maintenant, Dr. Machak, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En effet. Mais avant, je vais aller pas. Il du pain un peu lire, qui est sûrement de l'autre secteur des prisons. Puis avec que les autres, on part vite prendre ces monstres rares à la guilde afin que vous les combattiez et vous libérez. Waouh, maintenant on a un nouvel objectif. Si on veut vraiment les sortir de sortir nos amis de là. Oups, j'ai activé le truc sans faire exprès. Oh, je suis bête, moi. Bon. Malheureusement, je pourrais pas couper ça en montage. Bon. Bon, enfin, bref. Je disais que, voilà. Si on veut vraiment les libérer, il faut vraiment qu'on aille à ces kids. D'après ce qu'a Titan, c'est au centre d'entraînement qu'elle se trouve. Oh, Paulien n'est pas seul. Hey, il a grandi. Sniff. Mon dieu, Paulien est dans un état de dépression sévère. Si je lui peux pas, je vais encore plus se traumatiser en étant tranquille et à nous retrouver des autres. Oh, why. Alors, on retourne voir les autres. Tiens, il y a Anthony. Oh, Doc, alors comment ça s'est passé? Eh bien... Hein? Oh d'accord, si c'est le seul moyen de sauver les autres, allons vite à la kit qui est centre d'entraînement. Oh, je me suis trompé de mot. Ah, c'est quand j'écris trop vite que je fais ça. Trouvons le centre d'entraînement à présent. Hier, on va trouver le centre d'entraînement. Bon, c'est pas une mince affaire tout ça, il y a tellement de trucs à faire. Centre de combat libre de Coliseum. On y est. Bonjour, voulez-vous goûter à une de nos boissons? On n'a pas temps pour ça. C'est gentil, mais on est pressé. Une autre fois peut-être. Très bien, bonne journée à vous dans ce cas. Merci. Oh, des petits jeunes, bienvenue, bienvenue. Merci. Je viens souvent ici pour fumer. Ici, on est... Bien, croyez-moi. Tant mieux. Bonjour étranger, je suis Akizi. J'espère qu'un jour vous coûterez un nombre plat. On espère un jour, mais là pour le moment, nous sommes un peu pressés. On cherche la guilde. Et donc ce centre d'entraînement est bien équipé. Il y a des lits, une cuisine, un bar. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Hein. J'ai l'impression que ça ressemble plus à une grande maison qu'à un centre d'entraînement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Bienvenue dans le
ce centre d'entraînement de combat libre étranger. Mes excuses, mais les salles d'entraînement sont toutes prises pour le moment. Revenez plus tard. Oh, mais on n'est pas là pour ça. On cherche la guilde. Oh, elle dit la même phrase. Bon. Faut qu'on soit allé chercher ailleurs. On va monter par là. Bonjour. Ici, c'est la remise pour les combattants. On va prendre des gemmes supplémentaires pour leur combat libre. Les étrangers non inscrits ne peuvent pas entrer ici. Alors, au revoir. D'accord. Oh, on a vrai, mais c'est ça d'entraînement pour le combat et est déjà occupé, revenu plus tard, quand elle sera libre à nouveau. Je vois. Mais personne ne sait où elle est, la guilde. Oh, lui aussi, il dit la même chose. Non, il y a même une bibliothèque ici, c'est grave, c'est impressionnant. La bibliothèque est assexée à tout, peu importe si vous êtes inscrit pour les combats. C'est plutôt sympa. Bon, où est-ce qu'elle est la guide? Par là? Entrée de la guide. Ah! Ok, j'ai pigé. Elle est là. Guide de collision. Bienvenue à la guide étranger. Si vous voulez un coup de main pour quelque chose, allez voir le chef. Vous le reconnaîtrez grâce à ses cheveux violets. D'accord, merci. On lui dit donc, en fait, la guide est trouvée en bas des escaliers. Donc le centre d'entraînement il est à l'étage et au sous-sol c'est la guilde. D'accord. Bon, je comprends pas l'utilité de faire ça. Ça aurait été plus logique de mettre la guilde à l'étage plutôt que de la mettre au sous-sol. Moi, peu importe. On s'en fiche. C'est vrai, ouais, on a beaucoup de vaisselle à faire, mais au moins ça nous occupe et on évite de s'ennuyer. Avant j'étais dans la rue, mais grâce à la guilde, j'ai un travail et ma vie a totalement changé. Content d'entendre. Oh, notre chef, eh bien, il est dans la salle de gauche en fond de montant d'un dernier schéma qui se trouve ici. Oh, j'ai oublié de mettre trop en plus. Bon. Toc, 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 toc. Et voilà. Bref, les amis, on va devoir s'arrêter là. Le temps de la vidéo est déjà écoulé. On parlera au chef de la guide dans la prochaine vidéo. Donc, je vais sauvegarder. Donc, à gauche, je retrouverai la playlist. Avant de retrouver l'épisode suivant la semaine prochaine. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Ciao, bye, bye.